Good morning, allez, Iden, et si vous serez aujourd'hui la nuit, je suis Matrix, bonne fortune, Mazal, et que vous bonne fortune, Mazal. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sérène Beïsa, Berek Dalet, Mishnah Gimel, En Mevakerin et Tsim, Lomina Korot, Velomina Kora, Shinish Bera Beyom Tov, Ven Mevakerin, Lobe Kardom, Velobe Megera, Velobe Magal, et Lobe Kofitz. Baït Chouma les Perot, Satum Venifrat, Notel Min Makom, Mimakom Aprat. Rabbi Meir Omer, Af, Pochet, Menechelechatrila, Venotel. Trois sujets dans notre Mishnah. Première partie de la Mishnah, on continue avec l'histoire du ravitaillement des bois pendant Yom Tov. Avec à présent une nouvelle situation. En Mevak Inetzin, Lomina Korot, Lomina Korach, Nibra Beyom Tov. On ne. L'évaquer Etzim, c'est casser du bois, quoi. Couper du bois. On ne coupera pas du bois. Ni des poutres, et ni d'une poutre qui s'est cassée pendant Yom Tov. Soit avant, des poutres, on l'a déjà évoqué dans la Mishnah Aleph, où on a vu que des poutres qui sont prévues pour la construction, elles sont muktzées. Tu les exclus complètement de ton cercle, des objets que tu prévois d'utiliser. C'est muktzées, Mahmas Trisarankis. C'est un des plus graves des muktzées, les plus compliqués dans les Hilchot muktzées. Donc, quelque chose qui a une utilisation bien précise, que tu utilises pour rien d'autre, tu veux pas que ça s'abîme, donc dans ce cas-là, tu n'as pas le droit du tout d'utiliser d'aucune manière. Parce que la Mishnah me dit donc, tu n'as pas le droit de couper ces poutres. Et non plus, même pas d'une, de l'homme inaccroche, Nishbar, même pas d'une poutre qui s'est cassée pendant Yom Tov. Imagine, pendant Yom Tov, il y a eu le toit qui est tombé par exemple, il y a une poutre qui s'est cassée. Il n'y a plus rien à faire, elle n'est plus récupérable, elle est usée, elle a été fendue sur toute sa longueur. On nous dit, c'est super, on a au moins du bois pour faire un barbecue. Eh ben non, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que depuis l'entrée Yom Tov, elle n'était pas prévue à cette utilisation. Si la poutre s'est cassée depuis avant Yom Tov, vous n'avez pas eu d'intention précise, mais c'est sûr que, tacitement, la poutre cassée, il n'y a plus d'autre utilisation, c'est sûr que vous allez l'utiliser pour faire des bûches, pour chauffer le fourneau. Mais, donc là, vous aurez le droit d'utiliser si c'est cassé avant Yom Tov. Mais si ça s'est cassé pendant Yom Tov, alors là, dans toutes les Hilchot Mouktseh, dès qu'on est rentré dans Shabbat ou dans Yom Tov, en situation d'interdit, l'interdit ne sera plus levé, même si la cause va s'annuler. Selon la règle, si vous avez déjà entendu, Migo de Itkatsae beben Hashmashot, Itkatsae le Kule Yoma, c'est en araméen, du fait que ça est, Itkatsae, c'est devenu Mouktseh, beben Hashmashot, à ben Hashmashot, à la tombée de la nuit de Shabbat ou de Yom Tov, eh bien, Itkatsae Lekule Yoma, elle a été maintenant exclue et mise en Mouktse pour toute la journée, même si la cause s'annule. D'accord? Fin de la première partie. Deuxième partie de la Mishnah. Ven mevak'in lo bekardom, velo bemegera, velo bemagal. Là, maintenant, on s'intéresse à la manière de couper la poutre. Bon, tu as une poutre que maintenant tu as le droit de couper. Tu as le droit de sortir la scie, de travailler franchement, la couper en morceaux, sortir la hache classique. Alors, la Mishnah interdit tout ça. Tout ce que tu n'as pas le droit d'utiliser en fait un ustensile qui est un kli ouman, un outil de professionnel. Tu n'as pas le droit d'utiliser. Tu dois utiliser un outil qui n'est pas approprié pour et qui n'est pas de professionnel. En l'occurrence, donc la Mishnah me dit, El Mevak'in, on ne coupera pas le bois, l'obé cardome, ni avec un cardome. Le cardome, c'est le cordome. Comment il se traduit ce cardome là? C'est bon. Ben, le cardome, c'est pas écrit, donc c'est avec la hache, d'accord? Lo bemegera, ni avec une megera. Alors, megera, c'est la scie. Comme ça, il nous dit le bâton noir. C'est un grand sakine avec des dents qui vont dans tous les sens, comme ça claque le bois. Ni avec une scie. Velo bemagal, alors là, le magal, ça devient plus compliqué. Parce que le magal, en théorie, c'est une faucille pour couper le blé. Donc, c'est vraiment un clic, vraiment pas approprié pour couper le bois, apparemment. Malgré tout, on l'interdit, je sais pas exactement. En tout cas, la Mishnah me dit, c'est un kli ouman, c'est un outil de kli, un ustensile, un outil de ouman, de professionnel. Et le problème, il est que si tu vas commencer à sortir cet ustensile, alors venira te rosser la sotte melachai, dit le Vortenora. On dirait que tu ne peux pas faire un gros travail pendant Yom Tov, on ne veut pas te le permettre. Troisième sujet de notre Mishnah, qui n'a plus de rapport du tout, en fait, on a fini avec le bois maintenant, et on parle d'un autre sujet, c'est Bait Sheum Malé Perot, une maison qui est remplie de fruits. Satoum, cette maison elle est fermée, Venifrat, et le mur est tombé. En partie.
Eh bien, la Mishnah me dit Notel Mimakom Aprat. Tu auras le droit de prendre depuis l'endroit où ça, de prendre les fruits depuis l'endroit où les pierres sont tombées. D'accord? Il y a ici une difficulté, et on explique le problème en fait, c'est que on a selon le principe, quelque chose qui est mukhtse, quelque chose que tu ne prévois pas d'utiliser pendant Yom Tov. Bah, donc, tu l'as exclu du cercle de tes objets que tu prévois, de tes objets ou choses que tu pourrais utiliser, donc tu n'auras pas le droit de le faire, même si concrètement, finalement, tu vas te retrouver dans une situation où tu en auras besoin et tu voudras l'utiliser. Selon ce principe, des fruits, voilà, le super cas, des fruits qui sont attachés à un arbre pendant Yom Tov, s'ils tombent de l'arbre, pendant Yom Tov, vous n'avez pas le droit de le manger pour plusieurs raisons, qui sont apportées tout dans le Masechet Beitza. Il y a plein de raisons pourquoi c'est interdit de manger, mais une des raisons, c'est aussi à cause d'un interdit de mukhtse. C'était pas un fruit qui était apte à être mangé. Depuis le début. Ça a des problèmes, il y a des exodes spéciales, les fruits qui sont sous l'arbre, de peur que tu vas cueillir d'autres, et tout ça. D'accord? Mais en tout cas, il y a aussi un problème de mukhtse. Alors, partant de ce principe, un fruit qui se trouve dans une maison, des fruits qui se trouvent dans une maison, mais que la maison, elle est hermétiquement fermée pour le moment. J'ai pas d'accès, j'ai pas de clé. Le seul moyen, c'est de casser le mur. En théorie, il devrait être mukhtse, puisque j'ai pas le droit de casser le mur pendant Yom Tov. C'est la problématique de la Mishnah. Et sur ça, la Mishnah me dit, malgré tout, si le mur est tombé lui-même, t'as le droit de les prendre. Pourquoi les fruits ne sont pas mukhtse? Sur ça, on a deux réponses à proposer. Une du Bartanura, qui est rapportée dans la Gemara, sur Rashi Tosfot, je crois aussi. C'est en fait d'expliquer qu'on parle en fait d'un mur spécial. On parle d'un mur où les pierres sont posées une sur l'autre, mais ne sont pas fixées avec du ciment. Et en fait, on prévoit justement de refaire tomber tout ça. Alors là, une maison pareille, puisque l'interdit n'est que Midera Banan, alors les fruits qui sont à l'intérieur ne sont pas mouktés. Même si tu n'as pas le droit d'ouvrir, tu n'as pas de moyen d'ouvrir, il rapporte une preuve, on a une autre situation un peu semblable, c'est que si c'est des fruits qui sont tevel, des fruits où on n'a pas prélevé les trombotes ou masrot, ouais, donc tu n'as pas le droit de les prélever pendant Yom Tov, si quelqu'un y prélève, tu as le droit de les manger. On a la même problématique, si les fruits sont tevel, tu n'as pas le droit de les manger, donc ils sont exclus de ton cercle d'utilisation, tu n'as pas moyen de le rendre permis. Malgré tout, ils veulent prouver que quand c'est qu'un interdit des rabananes qui interdit, qui empêche la possibilité d'accéder à la nourriture, ça ne va pas rendre la nourriture mouxée pour autant. Ça, c'est un premier avis. Il y a un deuxième avis qui rapporte qu'en réalité, c'est le Rif et le Rambam qui nous dit que, c'est rapporté dans le Rif et le Rambam, qui disent que même si on a un mur qui est franchement bien construit et que ça se casse, parce que l'objet lui-même, alors il distingue de manière un peu plus forte en fait, en disant que si l'objet lui-même, intrinsèquement, il est apte à être mangé, le fait que concrètement je n'ai pas d'accès, ça ne le rend pas mukhtse, en deux mots. D'accord? Dernier avis de la Mishnah, c'est Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Af pochet lechatrila venotel. A priori, tu auras même le droit de casser la maison pour récupérer tes fruits. On parle de nouveau que là, selon Rabbi Meir, il te dit, en fait, on a une discussion entre Tanakama et Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, tu as cette maison fermée, mais avec les pierres qui sont pas fixées avec du ciment, tu as le droit de les retirer tout simplement. Tanakama te dit, t'as pas le droit de retirer. Mais si ça tombe tout seul, t'as le droit de récupérer les fruits ne sont pas mouxés pour autant. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.